Je vois ce que donnent les deux différentes fins. Et on verra après. Je vais commencer par Lucé. Parce que je me dis que finalement, c'est eux les traîtres dans l'histoire. Mission accomplie. Leur astromoteur est mort. Je dois avoir un plus beau chemin. Ils envoient de la cible en cornet parce que le jeune ennemi est en service. Astromoteur ennemi désactivé. Vous avez bousillé leur astromoteur. Un contact perdu. Ils savent qu'on est ici. On peut plus reculer maintenant. Le centre des opérations. De vigilance. J'ai échoué, monsieur. J'avais la cible en visuel et j'ai perdu le contrôle. Bien joué pour l'héritage. T'en fais pas, Ava. Il ne reste plus qu'à éliminer la fin. Ils auraient su qu'on était là. Ces petites choses, on va enfin pouvoir les attaquer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous revoilà. Quelque chose à signaler? Mon Dieu. C'est vraiment ça? L'héritage de Krix? Incroyable. Enseigne, prenez ça et entrez-le dans l'analyseur du noyau de données. Je m'en occupe. Lieutenant, vous voyez? Je vous avais dit qu'il était digne de confiance. Je dois dire que je suis impressionné. Chiffré ou non, c'est une belle somme à avoir entre les mains. La tentation a dû être insoutenable. Y en a qui parient contre moi sur le vigilance? Il se trouve que oui. Et vu tout l'argent avec lequel vous vous promeniez, pouvez-vous vraiment nous en vouloir? Vous auriez pu vous installer confortablement pour une vie ou deux, mais vous avez préféré faire ce qui était juste. C'est incroyable. La question c'est, pourriez-vous décoder le chiffrement? Bien sûr. J'ai une équipe d'experts en déchiffrement de la Galbank qui attend. S'ils ne parviennent pas à déchiffrer ça, personne ne le peut. Je ne mentais pas quand je disais que tous les scénarios étaient couverts. J'avais hâte d'enfin pouvoir me débarrasser de ce truc. Je comprends tout à fait. Je peux vous garantir qu'à partir de maintenant, nous prenons l'entière responsabilité de l'héritage de Krix. À présent, passons à d'autres problèmes plus urgents. Nous avons reçu la confirmation que les vaisseaux de la flotte étaient des éclaireurs envoyés pour tester nos défenses. Malheureusement, l'un d'eux s'est enfui avant que vous n'arriviez. Ce qui veut dire que Delgado va préparer la défense de la flotte écarlate en conséquence. Comment pouvez-vous être sûr qu'il s'agissait de vaisseaux de reconnaissance? J'étudie les tactiques de la flotte écarlate depuis des années. Leur décision de sacrifier ces petits vaisseaux m'a dit tout ce que je voulais savoir. Maintenant que nous avons l'héritage de Krix, nous n'avons qu'à les laisser mourir lentement. Non, nous devrions peut-être apporter l'attaque pour y examiner la situation. Non. En choisissant de faire venir l'héritage de Krix jusqu'à nous, vous leur avez déjà porté un coup. Si nous devons frapper, nous devons le faire maintenant. Lieutenant, si vous voulez bien expliquer notre stratégie... Oui, monsieur. Le Vigilance est équipé de boucliers dernier cri hyper résistants, ce qui fait de lui le seul vaisseau capable de s'approcher de la clé. Le problème, c'est que la clé commande trois batteries défensives en orbite qui peuvent tirer des décharges électromagnétiques. Une salve et nos jolis boucliers partent en fumée. Notre mission est de détruire ces batteries. D'ailleurs, je vais personnellement mener l'attaque sur la batterie Alpha. J'ai besoin que vous m'assistiez. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu autant de soutien que je l'aurais souhaité. Nous n'avons pas assez de preuves. Nous n'avons pas réussi à convaincre le TAMS d'envoyer des escadres supplémentaires. Ils disent qu'ils ont déjà investi trop de ressources. Ce qui veut dire que nous devrons neutraliser les trois batteries nous-mêmes. C'est malheureux, oui. Mais nous ne serions pas ici si je ne croyais pas que c'était possible. Nous vous avons également donné un nom de code. Renégat. Il permettra de coordonner nos mouvements. Une fois ces batteries détruites, vous accostez la clé et traduisez Delgado en justice. S'il ne vient pas de lui-même, vous ferez ce que vous avez à faire. Il existe un moyen d'en finir sans avoir à tuer tout le monde, je le trouverai. C'est admirable, mais je pense que personne dans la flotte écarlate, et surtout pas Delgado, ne verra les choses de cette façon. Je sais que c'est pas facile pour vous. Vous avez passé énormément de temps avec ces pirates, et peut-être qu'à un certain niveau, vous les considérez comme vos amis. Mais n'oubliez pas à qui vous avez affaire. Des pirates, des criminels et des voleurs. Ils n'hésiteront pas à vous tuer, alors ne laissez pas une pitié mal avisée causer votre perte. Eh bien, nous y voilà. Après des années de planification, tout repose sur cet instant. Mes plus grands espoirs et mes meilleurs vœux vous accompagnent.
Bonne chance. Eh ben c'est parti. L'heure de monter. Le retour de navigation semble correct. On est au bon endroit. Étoile Alpha, suivez les ordres de Renégat et éliminez cette batterie. Laisse ton moteur vivant. Pas comme si j'allais fuir de toute façon. Vous avez neutralisé l'empreinte de plus à trois boucliers. Système de saut de la cible abattu. Bouclier ennemi désactivé. Ennemi en vue. Astro moteur ennemi HS. LOL, ça rate et toi ? Putain, c'est dingue ! Le système de bouclier d'ennemi est désactivé. Oh la vache, tais-toi ! Tais-toi ! Là, j'ai pas compris. Je me suis fait ouvert en deux. Continuez, Renégat. Vous pouvez y arriver. Ils peuvent plus être portés. La cible appelle au bouclier. Système de bouclier ennemi désactivé. Astromoteur ennemi désactivé. Astromoteur ennemi désactivé. Leurs moteurs sont HS. Vous avez neutralisé leur bouclier. Ils pourront pas sauter ailleurs. Leur astromoteur est mort.
moteur. Vous avez grillé le moteur. Les moteurs de la cible sont HS. Attends. Quelque chose ne va pas. Où est le vigilance? Vous avez perdu quelque chose, Taft? Naeva est en train de s'occuper de votre vaisseau amiral en ce moment même. Vous êtes bien seul. Voilà qui me laisse les mains libres pour vous envoyer dans le vide. À toute la flotte! Triple pied à celui qui m'élimine ce traître! À tous les vaisseaux, formation défensive. Abandonne! Oh, je me fais attaquer pendant ce temps ? Merde, Naeva, j'avais besoin de plus de temps. Mais j'hallucine, je me fais attaquer pendant la cinématique, allez vous faire foutre ! C'était pas en solde. Astro pile poil.
enregistré. Alerte. Appel à la carte mère. Ah merde, oui, non, il faut aller là. B. J'ai dit ouvrir la porte. Ils arrivent par le dépôt. On les arrose alors. Je suis Vous allez me le payer. Et tuer les ennemis à rayon à particules. T'es cassé, fait avoir. Putain, ça me saoule ce raccourci qui ne fonctionne pas, c'est un cauchemar. C'est vous qui avez fait ça. Je peux déchiffrer et rechiffrer des milliers de crédits en quelques secondes, mais j'ai raté quelque chose d'aussi simple que ça. À cause de vous, ma bombe est activée. C'est comme si j'étais déjà mort. Je regrette que nous en soyons arrivés là, Shinya. Vous ne m'en voudrez pas de ne pas vous croire sur parole, après m'avoir menti depuis le début. Je vous ai donné de l'argent, traité avec respect et j'ai empêché qu'on vous cause des ennuis je ne sais combien de fois. Regardez-moi en face et dites-moi pourquoi vous m'avez condamné. Vous me devez bien ça. Bon, j'ai fait les malades de son métier. Prenez-en les voix, Delgado, c'est lui qui a appuyé sur le bouton. Je ne voulais pas exactement vous dire que je travaille pour CIGDEF avant qu'il soit trop tard. Je sais pas ce que vous voulez que je veux empêcher qu'on me cause des ennuis. Ironique de la part de quelqu'un qui a fait de la malhonnêteté son métier. Je dois vraiment vous l'expliquer ? Il y a une grande différence entre la malhonnêteté et le déshonneur. Maintenant, vous êtes là, et je ne tiens pas à ce que vous restiez pour admirer ma fin spectaculaire. Alors que diriez-vous de foutre le camp et de me laisser mourir en paix ? Je vous jure que je ferai tout mon possible pour désactiver cette bombe. Après tout ce que je viens de vous dire, vous voulez encore me venir en aide ? Je dois vraiment être un imbécile. Même si tout ça n'a aucun sens, je crois en vous. La seule façon de désactiver la bombe se trouve sur l'ordinateur de Delgado, dans les opérations. Vous aurez besoin de son identifiant. Je ne sais pas pourquoi vous m'aidez, mais j'espère sincèrement que ce n'est pas encore un de vos tours.
Bébé. Ouvrez la porte. Comment je fais pour y aller? Opération Center. Mais alors? Non mais attends, mais c'est pas possible. Ah d'accord. Sortez en place! On va le payer cher. Finir le boulot personnellement. Finir le boulot? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu crois vraiment que je suis aussi con? Je t'avais à l'œil du jour où t'as débarqué sur la clé. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était évident que tu bossais pour le 6DEF. La partie est terminée. Je sais qui tu es. Je suis là pour essayer de vous faire entendre raison. Me faire entendre raison à moi? C'est toi qui as perdu la raison. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu avais l'héritage de Krix entre les mains et tu l'as abandonné. Pourquoi? L'honneur? La justice? Je veux simplement faire ce qui est juste. Ah ouais? Et qu'est-ce que le 6DEF a fait pour mériter de dire ce qui est juste et ce qui est injuste? Tu sais, sur Suvorov, j'ai vu ton potentiel. Tu aurais pu devenir l'un des meilleurs pirates de la galaxie. Et maintenant, tu veux me faire croire que t'as menti depuis le début? Que tout ça n'était qu'un plan monstrueusement élaboré? Non. Je refuse de le croire. Pour une fois dans ta vie, sois honnête avec moi. Dis-moi que la tentation était là. Je refuse de sacrifier mes idéaux sur l'autel de la tentation. Tu n'as même pas le courage de l'admettre. Incroyable. Quoi que je puisse dire, je vois bien que tu n'as aucune intention de respecter notre engagement. Tu ne l'as jamais eu. J'ai déjà scellé la clé et activé la surcharge des réacteurs. Bientôt, toi, moi et tous ceux autour de cette station, nous allons être vaporisés. On va bien voir jusqu'où va ta loyauté au 6DEF. De bien voir un moyen d'annuler la surcharge. Et passer le reste de ma vie en tôle sans un crédit à moi? Pourquoi je ferais une chose pareille? Il y a largement le temps de couper les réacteurs. Vous foutriez votre vie en l'air, c'est tout. Sauf qu'il y a que toi contre nous tous. Je préfère tenter le coup. Prison, vous souffrirez pas, mais si vous vous entêtez, je vous garantis que si. Ça, c'est la bleusaille que j'aime. Une recrue sans pitié qui n'hésite pas à utiliser la menace pour obtenir ce qu'elle veut. Je sais que vous veillez sur moi quand j'étais dans la flotte. J'essaie de faire pareil, là. Alors, t'avais remarqué? Mais ouais, crois-moi, c'était pas facile d'empêcher les autres de te planter dans le dos. Ah, très bien, t'as gagné. J'ai coupé les réacteurs. De toute façon, sans l'héritage, on est fichu. Mais avant qu'Ikande me mette sous les verrous, je voudrais te dire deux, trois trucs. T'en as peut-être pas conscience, mais t'as vraiment la piraterie dans le sang. Un jour, tout ça te reviendra en pleine gueule. Et je t'attendrai dans ma cellule en mode « je te l'avais bien dit ».
désactiver. Et c'est où, c'est là? Lien de commande de la bombe du caissier. Désamorcer la bombe. Voilà. Tout va bien. Il m'a connu sans passer. Avez-vous quelque chose à signaler? Je crois que les félicitations sont de rigueur. Grâce à ce coup décisif, la chute de la flotte écarlate est presque assurée. J'adorerais déclarer l'ouverture des festivités, mais techniquement, nous sommes encore en train de finaliser l'opération. À ce propos, lieutenant, quelles sont les nouvelles? Les rapports arrivent, commandant. Delgado et Chignavos ont été conduits en prison. D'autre part, du personnel a été transféré sur la clé afin de sécuriser les lieux jusqu'à ce que Lucé décide quoi en faire. Qu'en est-il de Naïva Mora? D'après nos rapports, Naïva était à la tête de la force de frappe qui a attaqué le Vigilance. Mais nous ne l'avons plus revue ensuite. On dirait qu'elle a réussi à s'enfuir. Nous ne savons pas ce qu'elle est devenue, mais j'ai demandé à l'équipe des opérations de s'en occuper. Très bien. Dans l'ensemble, ce sont d'excellentes nouvelles, lieutenant. Je dois avouer que pour la première fois en 7 ans, je ne sais pas quoi dire. Et vous? Je sais que c'était difficile. Vous tenez bon? Je sais pas pourquoi, mais je me sens coupable. Je ressens une grande fierté d'avoir fait ça. Vous ne vous inquiétez pas de la disparition de Naïva Mora. J'aurais certainement préféré avoir une idée claire d'où elle se trouve. Après tout, c'était la commandante en second de la flotte. Faites attention. Je suis sûr qu'elle n'oubliera pas ce que vous avez fait à la flotte écarlate. Ne gâchons pas ce moment, Gillian. Je suis persuadé que notre camarade est d'humeur plus légère, n'est-ce pas? Je ressens une grande fierté d'avoir fait ça. Vous avez raison. Ce que vous avez fait pour Lucé en si peu de temps est plus que ce que la plupart des gens pourraient faire en une vie. Si le TAMS n'a pas encore imprimé tout un lot d'affiches de recrutement avec votre tête dessus, il devrait le faire. J'ai menacé et cajolé quelques connaissances au TAMS. Je voulais m'assurer que vous receviez votre part de l'argent récupéré avec l'héritage. Appelez ça une récompense, un gage de mon appréciation, ce que vous voulez. Mais vous en avez mérité chaque crédit. Cet argent appartenait à la Confédération Liberastra à la base, non? Eh bien, oui, je crois que c'est le cas. Mais même si cet argent était rendu à son propriétaire légitime, et il le saura sûrement un jour, je suis sûr qu'ils ne verront pas d'objection à ce que vous touchiez votre part. Merci, vu les choses que j'ai dû faire pour arriver jusqu'ici, je ne pense pas mériter une récompense. C'est ridicule. Même s'il est vrai que vous avez dû prendre des décisions difficiles, c'était pour le bien commun. Je trouve personnellement qu'ils auraient dû vous donner plus. Mais bon, qui suis-je pour en juger? Aurais-je brisé la bienséance, lieutenant? Bon sang, ça va être difficile de vous voir partir. Vous avez fini par faire partie intégrante de notre équipe. Ça sera pas pareil ici sans vous. Après, si vous avez envie de prolonger l'expérience, je suis sûr que nous pourrions vous donner accès au tableau de mission du 6DEF. Enfin, seulement si vous vous sentez d'humeur à rester avec nous à bord du Vigilance. Je crois que je n'ai pas envie de rejouer au flic avant un bon moment. Je comprends. Vous avez abattu plus de travail que certains agents officiels pendant toute leur carrière. Si jamais vous changez d'avis, sachez que le Vigilance va rester stationné sur la clé pendant un moment. Nous avons un sacré bazar à nettoyer. Enfin bref, assez parlé. Vous avez mérité une pause, et je suis sûr que vous avez envie de fêter ça. Voici votre récompense. Et où que vous alliez ensuite, sachez que tous mes vœux vous accompagnent. 250 000 crédits, putain de merde. C'est une victoire pour l'ensemble des systèmes occupés. Bon, bah voilà. Du coup, les petits amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer, mais cette fois du côté de la flotte écarlate.